Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir comment réaliser cette petite déco pour y ranger des bonbons. C'est parti! Au niveau du matériel, il va nous falloir un gobelet assez grand, une petite boule en plastique comme celle-ci, donc que vous pouvez trouver dans tous les magasins de loisirs et créatifs. Il nous faudra également de la peinture couleur au choix, un pistolet à colle chaude ou de la colle forte, un cutter, un pinceau, un bouchon de bouteille plastique. Il nous faudra aussi des petits cure-dents, une paire de ciseaux et un petit morceau de papier blanc. On commence par prendre notre gobelet et avec notre cutter, on va tout simplement retirer le fond en faisant une découpe tout autour. Une fois ça fait, on passe à la peinture. Donc moi j'ai choisi d'utiliser de la peinture rouge, bien entendu vous utilisez la couleur que vous souhaitez. Donc j'ai réalisé une première couche que j'ai laissée sécher et une fois que ça a été sec, je suis passée à la deuxième couche. Ensuite, je coupe mon petit cure-dent et je ne garde que cette partie pointue. J'en prends deux autres et je coupe pour garder à peu près 2 cm au niveau du milieu, comme ceci, il m'en faut deux identiques. Donc ces deux petits morceaux, je vais les coller l'un à l'autre afin d'obtenir ceci. Ensuite, avec une aiguille ou un objet pointu, on vient percer notre gobelet à ce niveau. Une fois le trou fait, je prends mon petit morceau de cure-dent avec le côté pointu et je mets dans le trou tout simplement. Ce petit morceau de bois, je le peins, j'ai choisi de la couleur noire. J'ai également peint mes deux petits morceaux de cure-dent que j'ai assemblés tout à l'heure et donc je mets un point de colle à ce niveau et je les colle au milieu. Ensuite, je découpe un demi-cercle de papier blanc que je vais venir coller à ce niveau sous ma petite manivelle, on va dire. Ensuite, je prends le dessus de ma boule et je vais venir y coller au milieu mon bouchon plastique. Donc désolée pour la qualité de l'image au moment où j'ai tourné, je n'avais pas encore trouvé dans ma nouvelle maison un endroit pour tourner mes vidéos, mais ça y est, c'est fait. Vous aurez prochainement des vidéos avec une meilleure qualité d'image. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Maintenant que c'est fait, je mets ça de côté. Je prends l'autre partie de ma boule et je vais venir la coller au niveau du fond de mon gobelet. Donc à ce niveau, en y mettant de la colle chaude. Et donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre nos petits bonbons dans notre boîte et le tour est joué. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. Bye.